Salut, allez, on se retrouve pour une vidéo sur RBR, RSF, donc avec une petite spéciale que je vous ai dégotée. On va voir tout de suite en jeu ce que ça donne. On se retrouve ici donc sur la partie practice. Hop, on est ici donc sur les start stage. On choisit effectivement ce qu'on veut. Et là, nous, on est sur le Carvalho de Ray 2008 en reverse. Et j'ai pris la Subaru ici, GC8555. Ça fait partie du groupe A. Alors, totalement transparent et j'en parlerai pas peut-être pendant le gameplay, mais les spéciales, j'ai choisi plus ou moins au feeling selon déjà la vignette hein, que vous voyez ici qui me donne à peu près un aperçu de ce que ça peut être parce qu'il y a de tout, hein, très bonne qualité comme de la merde, on va le dire. Il y a des choses qui sont très très mauvaises, mais surtout en termes de réalisation, je veux dire. Là, elle est vraiment bien faite, très technique parce que j'ai fait maintes et maintes reprises. Vous allez voir, c'est même pas très très propre, mais bon. Ça vous permet quand même de voir à quoi elle ressemble. Ensuite, eh ben c'est en boîte en H, c'est full manuel, c'est improvisation sur certains secteurs, c'est vraiment assez compliqué. Alors j'ai essayé de faire au mieux. J'aime bien rouler sur RBR, mais c'est vrai que ça demande pas mal de réglages. Encore une fois, je l'ai toujours dit, mais je me répète, le problème c'est que effectivement, des fois le mappage des touches a disparu, des fois c'est le FOV qui a disparu, le réglage de l'écran. Donc quand tu y vas pas souvent, c'est un petit peu chiant. Mais bon, l'avantage, c'est que ça tourne à fond de balle, 120 FPS sans problème. Il n'y a aucun souci là-dessus. Donc voilà, on ne peut pas tout avoir. Dans le meilleur des mondes, on aimerait, mais ce n'est pas le cas. Donc je vais vous laisser avec cette petite spéciale. Je vous dis, ça doit être dans les 5 minutes, 5 minutes 50. Il y a des endroits où ça va vite, des endroits où je suis un peu plus mesuré. Je fais un petit peu plus attention parce qu'il y a des ravins, il y a un peu tout ça. Enfin, je ne vous spoil pas la spéciale, mais vous allez voir, il y a des endroits un petit peu délicats. Donc voilà, on est parti là-dessus. Bon visionnage, c'est parti! Salut, allez, on est parti pour une spéciale sur RBR RSF, sur Carvalho d'Airey en 2008 à bord de cette Subaru. Alors, il va falloir essayer de faire une bonne spéciale tout en essayant de se planter le minimum possible. Ça, croyez-moi, pas le plus simple. Alors, je suis plus un joueur EAWRC à la base, hein, je vous l'avais déjà dit sur d'autres vidéos. Mais parfois, quand je tombe sur des spéciales très très intéressantes, comme celle-ci, eh ben, je vous la fais partager. Même si je me prends la tête dessus depuis un petit moment. Que le but c'est quand même d'avoir un rythme un petit peu soutenu. Alors j'ai peut-être pas choisi la voiture la plus simple. Parce que pour la maintenir en dérive, bah, c'est souvent avec l'inertie de la voiture, le poids de la voiture, le frein, l'axel. Ici. Très piégeux. Alors je vais essayer de pas trop parler. Il y a des pensions que j'ai déjà fait parce que forcément j'ai commencé la spéciale et je suis pas arrivé au bout.
tellement de pièges. Des talus, des pierres, des épingles, bref. Tout ce qui fait un rallye difficile. C'est la deuxième partie que j'ai réussi à passer, mais j'ose pas trop attaquer non plus. Là, il y a un saut. Allez, on retourne un petit peu dans la ville, si je me rappelle bien. Ici, souvent j'étais chez le voisin. Allez, ça veut concentration ici parce que là on descend. Non, 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 non. Non, je suis pas sorti. Je suis pas sorti. Ah, mais celui-là, il est terrible. J'ai freiné, hein. Ah, la descente, c'est une catastrophe. Je sais pas où c'est, monsieur. Ouh, 5,48. Eh ben, faut pas faire mieux. Faut pas faire mieux, j'ai cru que j'allais jamais y arriver. Ouf, je m'arrête. Bon, eh ben, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette spéciale. Et puis, nous, on se dit à une prochaine. Tchuss.